Salut les amis. Bon, bah aujourd'hui ici on est de retour sur les travaux de Tracassou. Voilà. Donc j'ai commencé. J'ai installé mon électricité. La prise extérieure. Voilà. Et puis comme je disais dans le titre, j'ai tout cassé. L'électricité. Que l'électricité. Je vous montre ça. N'oubliez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous. Bon voilà, on est de retour sur les travaux de Tracassou. Parce que faut bien le finir ce pauvre Tracassou. Donc je vous ai montré un petit bout la semaine dernière, donc il y a 15 jours je crois. Que oui, au départ on devait faire deux vidéos par semaine. Mais aujourd'hui j'arrive pas à tenir le rythme entre nos boulots, autres et puis la chaîne. Quand j'arrive à faire une vidéo dans la semaine, c'est déjà bien. Voir tous les 15 jours. Enfin voilà. Pour ça, faut activer la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'une vidéo arrive. Voilà. Surtout s'abonner, la petite cloche. Et puis voilà. D'autant qu'on arrive bientôt à 3500, 4000 abonnés bientôt. Donc j'ai vu qu'il y avait plus de personnes qui regardaient la vidéo qui n'étaient pas abonnées. Donc n'hésitez pas. Donc, je disais donc dans le titre que on a tout cassé, tout recommencé. Je parlais de l'électricité. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais Tracassou, donc quand je l'ai entièrement démonté, enfin broyé, on va dire, avant de le reconstruire, il y avait déjà l'électricité qui était présente, donc j'ai voulu raccorder. Reprendre en fait le réseau électrique qui existait déjà sur Tracassou, mais en fait ça me plaît pas du tout, parce que je me retrouve avec plein de raccords Waro, je vais vous montrer. Donc je l'avais laissé pour le moment, c'était pour tester un petit peu le système, voir comment ça fonctionnait avec les câbles d'origine, mais je vais tout repasser parce que en fait ça me convient pas. Voilà, je n'aime pas trop voir ce genre de choses. Je vais vous montrer. Hop, là, voilà. Toute cette partie là, vous voyez tous ces raccords. Parce qu'on a le 220 qui arrive, pour aller sur des chargeurs de batterie concrètement. Hein. Voilà, pour gérer la tension, pour convertir en fait le 220 en 12. J'ai l'arrivée aussi donc de la batterie auxiliaire du camping-car qui est sous le siège avant de Tracassou, qui arrive par là aussi. En fait, tout arrive ici. Donc j'avais tout parce que bon, à l'origine c'était comme ça. Hein. J'avais tout coupé parce que pour couper la cellule j'avais été obligé. Donc j'avais tout raccordé. Mais en fait, de voir tous ces branchements, ça ne me plaît pas du tout. Donc je voudrais repasser ça proprement, sans que ce soit des raccords, des boutasses de tous les bouts. Voilà. Voilà, je vais tout redémonter pour repasser tous mes fils. J'ai déjà commencé d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai installé donc ma prise d'arrivée 220 et posée à l'arrière donc. Et plutôt que d'avoir ma batterie sous le siège à l'avant, je vais plutôt poser la batterie, mes deux batteries, parce que du coup il y aura deux batteries cellules dans la soute à l'arrière. Ça sera beaucoup plus simple parce que à savoir que dans Gigi j'ai aussi le même principe hein, où la batterie est sous le siège avant, et le souci c'est que pour changer la batterie en fait à chaque fois faut démonter le siège. Voilà, donc alors je sais qu'on change pas une batterie tous les jours, mais le jour où vous voulez changer la batterie, enlever les 4 vis du siège pour pouvoir la sortir, c'est un peu chiant quoi. Voilà, donc du coup je vais les poser à l'arrière. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je me suis pas filmé en train de bricoler.
Voilà. Donc on va reprendre un petit peu le principe. Tout au moins pour cette vidéo. Après, comme je vous avais montré un petit peu les meubles, donc ça aussi je vous filmerai des assemblages, la peinture des meubles et tout ça. Voilà. Donc tout ça, je vais le supprimer complètement. Même les deux boîtiers d'origine qui étaient dedans, là, je vais tout virer en fait. Parce qu'il n'a pas une grande utilité, d'autant que j'ai acheté un appareil pour transformer le 220 en 12 volts. Voilà, un 600 watts. Transformateur de 600 watts, 222 volts. Voilà, je pense que sur le 12 volts, ça va suffire largement. J'ai fini aussi, pendant qu'on est là, hop, d'installer mes petits boutons. Hop, voilà. Pour mes spots en LED, hein, évidemment, qui sont. Je vais vous les montrer. Qui sont là. Oh, il y en a deux de ce côté-là. J'en ai deux autres. Voilà, qui vont arriver ici, là et là. Mais là, ça va être un interrupteur qui va se trouver dans le meuble de la cuisine. Voilà. J'ai installé, oh, pendant que j'y étais aussi, j'ai fini de monter mes lanternes, oh, pas grand chose. Je veux pas. Voilà, c'est mieux ça. Voilà, j'ai fini de monter mes lanternes. Donc celui-ci est translucide. Et donc, bah, les deux autres sont opaques, parce que bah, c'est une partie chambre au-dessus de dans la capucine. Et puis, derrière, la même chose, c'est un opaque aussi. Ah. C'est, voilà, un opaque aussi qui est derrière là-bas. Pareil, j'ai fini le monter. Ça, c'est fait. Voilà. Donc pour en revenir à mon électricité, du coup, voilà. Donc tous mes fils qui arrivent, hop, voilà, du coffre qui est là-bas, hein, où on était tout à l'heure, arrivent, passent sous le camping-car et ressortent. Je vais reprendre tout ça proprement, voilà, tous mes fils, parce que du coup après, bah, ça passe derrière, hop, dans la chambre qui va être derrière ici, ça sort. Je ne sais pas si on arrive à voir, il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon, on ne voit pas grand chose. Bref, ça sort là et ça fait le tour sur la partie cuisine qui est ici. Voilà. Avec l'ancien disjoncteur qui est là, donc ça c'est pareil, ça va virer. J'ai un nouveau boîtier qui est là. Un petit boîtier tout neuf, électrique. Ça, c'est pour mes meubles. Ou dessus, sur le boîtier électrique, bah donc je vais lui mettre le disjoncteur. Je vais lui rajouter une prise de 220 parce que du coup, ce coffret va se retrouver dans la soute. Et je me dis que ça peut être pas mal d'avoir une prise de 220 dans la soute. Ça peut aider si toutefois je veux installer un groupe électrogène ou autre dedans. Voilà. Ou les personnes qui prendront Tracassou par la suite veulent installer un groupe électrogène en plus. Voilà. Ça peut être intéressant. D'autant que la soute, au point de départ, j'ai voulu faire une porte de chaque côté dans la soute. Voilà. On va se remettre à la lumière. Ça sera pas plus mal. Oui, je disais d'autant que au point de départ, je voulais faire donc une porte de chaque côté. Tout compte fait, je vais ressortir qu'une porte à ce niveau-là. En bas là, le tracassou. Avec à l'intérieur un grand tiroir qu'on va pouvoir sortir. Donc du coup, sur cette partie-là, là, il va y avoir une grande porte. Et quand on va l'ouvrir, on va pouvoir sortir donc. Directement, ça va faire un grand coffre sur coulisse, sur glissière, qui va faire 2 mètres de long. Voilà. Avec une charge dans le tiroir de 100 kg. Je
j'espère que ça suffira. En même temps, Tracassou, 3,5 tonnes, je pense pas qu'on puisse charger beaucoup plus que 100 kg dans le coffre. Voilà. Alors, si on veut respecter le poids. Voilà. Bon, je vais vous montrer aussi, j'ai acheté 2-3 bricoles pour Tracassou. Le système pour la télé. Voilà. Et la télé que j'ai acheté aussi. Donc la télé va être située juste là, à l'entrée, hop, sur le pont, cette partie-là. Et va pouvoir se pivoter donc soit vers dans tous les sens, soit dans la chambre à l'arrière, soit dans le salon, soit vers la capucine. Ça sera au choix. Voilà. Bon. Bah, je vais m'attaquer à l'électricité, donc à refaire, et puis on s'en reprend tout à l'heure quand j'aurai avancé un petit peu. Parce que vous filmez, je voulais me filmer au départ en train de travailler dessus. Et je me suis dit que ça allait être super long, qu'il fallait que je réfléchisse en même temps. Donc, je vais vous filmer plutôt l'avancée fur et à mesure, comme ça. Voilà, ça va être plus simple. Bon, allez, tout de suite. Bah voilà, j'avance un petit peu. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc le coffre où il y avait les deux espèces de chargeurs, là, rouge, tout a été enlevé. Donc, j'ai juste gardé, en fait, mon 220 qui arrive ici. Ça va me permettre de positionner une prise 220 dans le coffre, juste à l'avant, voilà, au niveau du salon. Déjà, voilà, donc tous mes spots sont montés. Ceux-là, j'ai les deux derrière, là, de la cuisine. La salle de bain, j'ai pas acheté la lumière encore, donc voilà, dans la chambre non plus, mais j'ai trouvé un truc pour m'éclairer, pour pouvoir bosser. Là, derrière, dans la cuisine, voilà, ici, donc j'ai fait dans la cuisine, ça va être en fait sous plan de travail, il y a l'arrivée du 220, voilà, où j'ai déjà raccordé donc le frigo qui est branché dessus, et le frigo est branché aussi sur le 12 volts. Voilà, 220, 12 volts, et ça fonctionne. Bon, j'ai un petit peu de bordel parce qu'en fait tout ça, ça passe après dans l'immeuble. Donc une fois que tous mes branchements vont être faits, je vais pouvoir faire mes meubles et passer tout ça dans les meubles. Voilà. Et puis là, donc dans la salle de bain, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais donc tout un tas d'arrivées de fils en bas là, sous la douche. Du coup, j'ai tout supprimé. Voilà. J'ai mes fils. Enfin, là, faut que je ressorte mes fils par-dessous parce que j'en ai plus besoin. Il reste simplement les fils en fait pour le WC, et puis donc j'ai un boîtier de 220 qui est là, et la lumière donc qui passe de ce côté là voilà, le 220 en fait, c'est ce qui ramène le 220 à l'avant. Voilà, donc du coup j'ai mon arrivée de 220, voilà, du camping-car qui est là. J'ai donc passé une goulotte. Hop, voilà. Bon, j'ai pas fini de ranger tous mes fils, mais ça va venir. Voilà. Donc, qui arrive sur un disjoncteur 16 ampères. Un problème de flou. Dessus, donc, comme je disais, j'ai mis une prise dans la soute en 220. Ça peut toujours être utile. Et puis donc j'ai un petit boîtier là, ici, qui me transforme donc le 220 en 12. Voilà, donc du coup là pour le moment je suis raccordé à l'extérieur en 220.
pour pouvoir avoir le 12 volts et puis avoir un peu de lumière, parce que travailler dedans sans lumière, c'est compliqué. Donc là, j'ai monté mes batteries. Je vais montrer un peu plus haut. Hop là, voilà. Donc mon entrée ici, là-bas. Mes batteries qui vont être ici dans la soute. Raccordées derrière. Comme ça, au moins, toute la partie électrique se trouve dans la soute. Facile d'accès. Voilà. Donc mes batteries, du coup, je vais les raccorder. Donc j'ai mon panneau solaire qui va arriver, l'électricité qui va arriver par le coin là, du panneau solaire. Toc. Où je vais pouvoir monter mon MPPT dans le coin ici. Voilà. Mes batteries, donc après, qui vont être raccordées donc aux 12 volts. Qui voilà, j'ai un petit rail là qui me permet de brancher tout ça dessus. Voilà. Et donc dans Tracassou, quand on l'a acheté, il y avait déjà un convertisseur qui fait 2000 watts. Donc là, je vais pouvoir le brancher, le fixer là sur le mur. Tac. Voilà, fixé sur le mur ici. Et le raccorder après au 220 directement sur mon boîtier électrique. Voilà. Bon, déjà ça a avancé. J'avais pas du tout d'électricité ni de lumière dans Tracassou qui fonctionnait correctement. Voilà. Donc pareil, j'ai monté les petits interrupteurs. Tac. Voilà, tout fonctionne. Donc oui, comme je disais, je vais raccorder en fait mon panneau solaire en dernier. S'il me reste la peinture, j'ai le coup à faire sur le toit. Mais j'attendais en fait qu'ils peuvent dehors. Voilà. Une bonne saucée, là, qu'ils prennent l'eau, voir si j'ai des fuites. Voilà. Bon, on va continuer ça. Hein. Parce que modifier, ça a quand même été un bon chantier. Mais au moins là, je suis sûr que j'ai plus de soucis de branchement avec plein de raccords, qui me déplaisaient fortement. Au moins là, c'est blanc, je branchais en direct, donc voilà. Bon, j'ai encore un câble. Voilà, j'ai encore un câble à brancher avec un Sirix. À ramener de la batterie, enfin de l'alternateur jusqu'ici, enfin la batterie moteur. Voilà, pour charger en roulant mes deux batteries. Bon, allez, on continue. Hein. J'ai le lit qui arrive à peu près par là. Mais le lit va être en deux parties. Et donc il y a une partie du lit qui va pouvoir se lever pour avoir accès à une partie de la soute. Voilà. Donc comme ça me permet d'avoir accès au petit bouton qui est là pour pouvoir lancer le convertisseur si j'ai besoin. Voilà. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Beaucoup, hein. Là, je vais peut-être commencer mes meubles. Voilà, comme cette partie-là de l'électricité est faite.
chargeur qui va me permettre après de continuer mon électricité. Parce que j'ai encore plein de prises en 12 volts à monter. Des prises USB notamment. J'ai la prise pour la télé aussi en 12 volts. Et puis voilà, quelques éclairages par-ci, par-là au niveau du LED. Voilà. Bon allez, on va faire les meubles. Que je vous explique un petit peu au niveau des meubles ce qui va se passer. Voilà. Donc au niveau de la chambre, puisqu'on est dans la chambre. Toc. Voilà. Là. Au niveau du de ce mur là, donc tout ce mur là, il y a un meuble qui fait complètement le tour de la pièce. Tac, et ça revient de l'autre côté ici. Voilà. Donc il y a des grands placards tout le long qui font complètement le tour. Dans la cuisine, donc là on a sur cette partie là, au-dessus de la fenêtre là. Et ici, donc, il y a plein de meubles et il y a un retour en fait qui vient sur la partie salon. La partie salon qui est là, je vous rappelle. Au-dessus, ici, qui revient de ce côté-là, une partie. Voilà. Ou devant, là, je vais avoir les commandes. Sur cette partie-là, devant, je vais avoir les commandes pour l'éclairage. La commande qui est là, hop, je l'ai changée aussi. Voilà, pour pouvoir allumer, tac, voilà, et le meuble va continuer donc tout le long ici, là, là je vais avoir un petit retour en haut, sur cette partie là, un petit retour ici pour pouvoir mettre un rideau en fait pour cacher la capucine si besoin. Donc un meuble, ouais, qui est fait, qui est là, magnifique. Bon, il reste à peindre, hein. Voilà. Là, j'ai donc une gouttière qui va passer ici pour redescendre au niveau de la télé qui va être là. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc oui, mes coffres qui sont en dessous, hein. Voilà. Donc c'est une partie du coffre. En fait, le coffre va être en... J'ai une autre façade qui vient ici, avec des glissières métalliques à l'intérieur que je faut que je fabrique pour pouvoir glisser le meuble jusqu'au mur ici. Voilà. Comme ça, ça me fait en fait un couchage 6 personnes. Parce que là, j'ai une... un coffre où il y a le bac d'eau dedans qui fait deux places. En face, j'ai un autre coffre qui fait une place. Là, va y avoir un petit rabat en fait qui va se rajouter à ce niveau là pour pouvoir faire vraiment une banquette dans ce sens là. Et une fois que tous les coussins vont être dépliés, toute cette partie, hop, je crois que si on peut voir, voilà, donc le meuble de place, l'assise qui est en face et puis l'autre, une fois que tout va être déplié en fait ici, ça va faire un lit, voilà. Donc du coup ça fait 6 places, 6 couchages. Bon, c'est pas fait, hein. Je vous cache pas que il y a du taf. J'espère avoir, là dans le week-end, arriver à bien avancer pour arriver au moins à faire mes meubles, à les monter. Après je ferai la peinture par la suite. Voilà. Bon, je pense que là déjà vous avez vu le principe de l'électricité dans Tracassou. Parce que vous êtes pas mal à me dire que mes vidéos sont un peu courtes et vous aimeriez avoir des vidéos un peu plus longues. Après oui, c'était facile au début de faire des vidéos relativement longues parce que je faisais des travaux en accéléré. Là le souci c'est qu'à l'intérieur en fait les travaux c'est quand même vachement long. Ça demande pas mal de réflexion, surtout sur l'électricité. Je veux essayer de penser à tout en fait, et utile
utile, pratique, et avoir quelque chose à la fin qui soit dans l'air du temps, moderne, et voilà, qu'on puisse brancher un peu partout son téléphone ou autre appareil en USB, parce que je vois, nous, dans Gigi, on a 6-8 prises USB, et franchement, bah, je ne regrette pas de les avoir posées. Voilà, bon, bah, cette vidéo arrive à sa fin, au moins pour aujourd'hui. On va se retrouver par la suite pour les meubles. Et puis, si vous avez vu les commentaires, n'hésitez pas, surtout que ça fait travailler les algorithmes, YouTube adore ça. Et les petits pouces. Voilà, et puis n'hésitez pas, abonnez-vous surtout, parce que, comme je disais, il y a plein de monde qui regarde la vidéo, mais qui ne sont pas abonnés. Donc, ça peut être sympa de faire grimper un peu la chaîne. Voilà, allez, bye bye, salut à tous. On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.